Muy bien, pues estamos aquí en un café con Nespresso y vamos a entrevistar a Florence Miail, la directora de la película La Traversée, que forma parte de la sección Zabaltegui Tabacalera, una película de animación. Bonjour, Madame Miail, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Voilà, donc une première question. Vous avez un parcours remarquable dans le monde du court-métrage d'animation. Mais pour peut-être bien raconter cette histoire, vous avez eu besoin d'un peu plus de temps dans le long métrage, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. J'avais envie de raconter un espèce de conte migratoire. Et j'aime beaucoup le court-métrage, c'est un format dans lequel je suis extrêmement à l'aise et qui me donne beaucoup de liberté aussi. Mais pour raconter cette histoire, j'ai eu l'impression qu'il fallait plus de temps pour la raconter, d'où cette arrivée dans le long-métrage. Bon, je vais citer, je ne sais pas si vous êtes d'accord, je vais citer Mark Twain, comme il l'a dit un jour, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Votre film le montre bien. L'histoire rime bien parfois. Ne se répète pas, mais rime bien. Oui, l'idée, c'était de partir des migrations de 1905, début du XXe siècle, et de les relier ou de les faire rimer, effectivement, avec les migrations de 2020, 2005, enfin, du début du XXIe siècle. Et ce sont pas les mêmes histoires, mais effectivement, en choisissant de prendre le conte, c'est effectivement des échos qui se font entre des migrations qui vont du début de l'humanité, en passant par Moïse, et qui voilà, parce que de tout temps, les hommes ont bougé. Ici, on a une expérience aussi, la guerre civile espagnole, ça a été aussi question d'un exil vers parfois la France aussi, etc. Donc, n'importe où, on peut parler de ça. Voilà, et en fait, l'idée, c'était effectivement de faire un film grâce au conte dans lequel tout le monde puisse se reconnaître aussi. Et je pense que souvent, les réactions des gens, c'est ça, c'est leur histoire, c'est l'histoire de tout, un peu. Enfin, c'est à la fois une histoire particulière et en même temps, ça peut être l'histoire de tout le monde, quoi. Exact. Bon, il y a toute une technique véritablement laborieuse, je dirais incroyable, mais et vous pouvez peut-être nous en parler, mais au service toujours d'une histoire très puissante. Oui, c'est vrai que la technique d'animation, c'est une technique qui prend énormément de temps, qui demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation avant de commencer le véritable travail de réalisation du film. Et en même temps, ça donne, je pense, quelque chose qui n'existe, enfin, qui est incomparable, c'est difficile, mais oui, c'est incomparable. Il n'y a rien qui existe comme ça, comme l'animation directe sous la caméra, en peinture animée. Ça donne. C'est une technique que moi, j'ai essayé de mettre complètement au service de cette histoire. Et c'est ça, c'est aussi la technique, parce que c'est une technique qui est très picturale et qui donne le côté intemporel des choses, parce que j'ai pas besoin, quand je peins, enfin quand je fais peindre, j'ai pas besoin de préciser si le fusil que les soldats portent, c'est une Kalachnikov ou si c'est. Enfin, c'est un trait de peinture noire et on sent le danger. Enfin, voilà, parce que c'est de la peinture. Et pareil, voilà, toutes les choses sont des choses qui tout de suite nous plongent dans un monde qui est onirique et qui est un monde inventé et intemporel. Et vous avez travaillé en plus avec plusieurs équipes en Europe, n'est-ce pas? Oui, pour monter la production du film, on a partagé le travail entre la République tchèque et l'Allemagne. République tchèque à Prague et puis ex-Allemagne de l'Est à Leipzig et aussi un studio à Toulouse en France. Et ça s'est bien passé, je veux dire, coordonner tout ça, c'était difficile, j'imagine, mais en même temps très beau. Oui, c'était très difficile, très enrichissant en même temps.
La difficulté, c'était que, c'est comme c'est une technique qui est très artisanale, c'était difficile de ne pas être tout le temps avec les équipes. Quand il y a eu trois équipes qui ont travaillé en même temps, ça s'est fait progressivement, mais quand il y a eu trois équipes qui ont travaillé en même temps, c'était effectivement très difficile, mais très enrichissant, parce que chaque personne, chaque animatrice travaillait pour un projet commun que moi j'essayais de maintenir dans une cohérence de l'ensemble, quoi. Bon, vous êtes là au Festival Saint-Sébastien avec La Traversée. Normalement, les films d'animation vont plutôt vers le Festival d'animation, n'est-ce pas ? Mais vous revendiquez, et nous aussi, le besoin de voir, de regarder, de pouvoir, d'avoir accès aux films d'animation en compétition dans le festival, on va dire, généraliste aussi, n'est-ce pas ? Comme des films à part entière. Hein. Oui, on est nombreux maintenant dans le monde de l'animation à se battre pour que les films soient reconnus comme des films à part entière dans les festivals. Donc il y a des choses qui se font qui sont très très belles en animation. Alors effectivement, il y a toute une industrie du film d'animation qui est plutôt destinée aux enfants. Mais à côté de cette industrie-là, il y a vraiment des auteurs de films d'animation et il y en a de plus en plus. Souvent, effectivement, ils viennent du court-métrage, ils font leur premier long et ils essayent de mettre dans leur premier long ce qu'ils ont mis dans les courts-métrages, c'est-à-dire en même temps cette liberté qui sort des sentiers battus de voilà, c'est pas du manga, c'est pas du Disney, c'est pas de la 3D. C'est vraiment des œuvres graphiques, enfin qui amènent un graphisme particulier dans les choix qu'ils font, et c'est je pense que c'est très intéressant en ce moment cette tout à fait voilà tout à fait on bon. on est en même temps, voilà, on est dans les traces du roi et l'oiseau de Grimaud, qui était vraiment une proposition de film qui était extrêmement belle et extrêmement intéressante, et on se situe dans cette lignée là je pense aussi. Bon, vous êtes maintenant à Saint-Sébastien, mais votre film va sortir bientôt en France et va beaucoup voyager. Qu'est-ce que vous attendez à partir de maintenant de La Traversée ? Beaucoup de choses, j'imagine. Oui, non. Qu'est-ce que j'attends ? J'attends qu'il rencontre son public, en fait, surtout. Hein. Voilà, c'est un film qui a été dur à faire, et c'est vraiment un plaisir maintenant de pouvoir le montrer à un public et puis de pouvoir voir les réactions du public. Comme il y a un langage visuel qui est très fort, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut dépasser les frontières, le fait de pas le situer dans un lieu précis fait que il peut être vu aussi. Enfin voilà, c'est aussi l'avantage des films d'animation. Voilà, et que oui, qui rencontre son public. C'est sûr, pas mal. Une dernière question, Madame Niaille, c'est votre premier long métrage. Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer peut-être un deuxième, ou vous avez quelque chose en tête, ou un court métrage encore ? Oui, je pense que je suis en train de préparer un court métrage pour retrouver un petit peu la liberté que j'avais dans le court métrage. Elle me manque. Et puis aussi dans le long métrage, d'habitude c'est moi qui fais. Dans les courts métrages, c'est moi qui fais l'animation, c'est-à-dire que je mets vraiment la main à la pâte. Je suis pratiquement responsable seule de mes films. Là, il a fallu partager avec une équipe. Ça a été très, très enrichissant. Et là, j'ai à nouveau envie d'avoir la liberté que j'ai quand je suis toute seule devant ma feuille de papier, ma vitre, et que je peux faire couler le film par moi-même. Mais ouais. Après, oui, peut-être que si je refaisais un long métrage, je pense que surtout... c'est un peu comme quand on fait un... On fait un premier enfant, puis on a besoin de souffler un peu avant de faire le deuxième. Donc, je crois que c'est ça. Je crois que j'aurais besoin de souffler. Mais ensuite, je pense que si j'en devais en refaire un autre, j'aimerais bien que ce soit avec une équipe qui soit autour de moi, que ça puisse ne pas être trop dispersé dans plusieurs pays. Parce que c'était quand même la partie la plus difficile, de ne pas être avec l'équipe, quoi.
que ce soit un travail de proximité, n'est-ce pas ? Que ce soit un travail de... Oui, ça peut être dans plusieurs pays, parce que ça, c'était vraiment bien, mais que je puisse avoir un temps dans un pays, puis un temps dans le pays d'à côté, quoi, que ce ne soit pas tout en même temps. Ouais, d'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Vraiment, vous savez que ça nous fait très, très plaisir de vous avoir ici, d'avoir votre film qu'on avait vraiment aimé. Et puis, à bientôt, on va vous dire donc, à bientôt. Merci, peut-être avec un court-métrage. Exactement, puisque... Un long court-métrage, peut-être. Exactement. Savatagi Tabakalera nous permet exactement ça. C'est une section où on peut mettre de longs métrages, de courts métrages, animations, documentaires, etc. Tout est... Et je vous en remercie, parce que c'est vrai que c'est pareil pour le court-métrage. C'est vrai que, je sais pas, souvent on nous dit, voilà, c'est ton premier... On compte souvent les films des réalisateurs à partir du long-métrage. Et quand souvent on me dit, ah ben c'est ton premier film. Mais non, c'est pas mon premier film. J'ai fait 8 courts-métrages avant. Bien sûr, bien sûr. Et c'est bien d'être connu aussi dans le court-métrage, dans le monde du cinéma. Merci. Muchísimas gracias. Vamos a terminar un expreso con Florence Millay viendo algunas imágenes de su largometraje La Traversée. Merci beaucoup. Tous les mêmes, tout ce que t'as à me donner. Tu te fous de moi? Il faut partir. On va faire comme les autres. Tous les autres. Prends la carte. J'ai tout noté. Restez cachés. Donne tes papiers. Tout ce qui s'est passé avant, oublie. Non. J'ai promis à mon père, on va passer la frontière. Lâchez-moi ! Personne ne passe, c'est fini. Moi, je passerai. On t'arrêtera. Je passerai. Alors, tu nous les montres, tes dessins ? Halt ! Rien ne te dégoûte. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, ma cocotte. La vie, c'est gris. Si tu veux t'en sortir, faudra bien que t'apprennes à voir en gris. Moi, je suis tout seul. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, Yuri ? Je sais pas. M'aimer ?